courage, détermination plus abnégation égale à réussite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la première chaîne éducative de Côte d'Ivoire, JD Édition Magazine et TV. Et là, nous sommes aujourd'hui là pour la proclamation des résultats du BEPC session 2023 avec un taux de réussite de 31,47% contre 28,89% l'année dernière. Et nous sommes précisément au groupe scolaire Saint-Louis pour la proclamation. Alors, mesdames et messieurs, restez en ligne, suivez-nous et car c'est ici et non ailleurs. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Oui, oui, très bien. D'accord. Après 9 mois d'études aujourd'hui, vous êtes admis au BPC. Vos impressions ? Vraiment, c'était pas assez. Mais 183 points, ça suffit pour pouvoir passer en seconde. C'est bien sûr, c'est bon, c'est Dieu. Je dis merci d'abord à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je puisse avoir mon examen. Et je dis merci aux parents qui m'ont inscrit et ils m'ont donné de bonnes éducations. Chaque fois, je mettais la pression d'aller étudier et de me concentrer à l'école, d'arrêter la mauvaise fréquentation. Vraiment, voici le résultat. Et c'est content. Mon nom est Tobiano David. J'ai eu 180 points. Vraiment, je suis content parce que c'est ma deuxième année. C'est vrai, l'année passée, je n'étais pas trop. Je n'étudiais pas beaucoup. Mais cette année-là, parce que mes parents m'ont parlé d'étudier, qu'il ne faut pas que je vais refaire encore la troisième. Vraiment, j'ai écouté leurs conseils. Aujourd'hui, voici ça, il y a eu. C'est pour dire à mes frères et sœurs, mes petits frères, qui d'arrêter les mauvaises fréquentations, de DJ, d'écouter tous les conseils des parents. Elle a été admise, mention bien. Et donc, c'est ça quoi. Alors, quelles sont vos impressions, on va dire, sur ces résultats? Je suis dans la joie. Je n'ai pas gêné pour rien. Tu as eu combien de points? 184. Alors, c'est super. Alors dis-moi, et comment étant jeune, étant très bambin, très enfant, quelle était plus ou moins ta méthode de travail? Comment est-ce que tu as travaillé pour pouvoir avoir ton examen à, on va dire bien, à 13 ans? J'ai étudié matin, midi, soir. J'ai eu 212 points et je suis très heureux. En tant que grand frère, voilà, à la maison, je le poussais à étudier. Voilà, je lui donnais des conseils, je lui disais tout le temps que petit, il faut étudier car c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Okay, donc il a suivi mes conseils et les conseils aussi des parents et ça a donné un bon résultat. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir été en votre compagnie pour ce numéro encore et sachez, retenez ceci, celui qui veut réussir doit combattre, doit souffrir et surtout doit persévérer. Et sur ce thème, nous souhaitons bonne chance à tous nos frères, tous nos petits frères et nos camarades qui sont encore en classe de terminale pour les deux jours qui restent. Doublez encore d'efforts et sachez qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. On se dira bientôt. Au revoir.